Re-Twitch, bonjour YouTube, toujours Jake sur Ivason Studio, toujours sur Légende Pokémon Arceus. On a passé un bon moment dans le marais Carmin, on a calmé le deuxième Pokémon énervé, preuve en est, regardez le deuxième tampon qui est là, il en reste donc 3. On va voir comment ça se passe ensuite. J'ai eu ma quatrième étoile du farming Pokédex. Avec 78 Pokémon enregistrés désormais dans le Pokédex. Voilà, je suis déjà à 15 heures de jeu. Waouh. Ah ouais, quand même. Je prends mon temps. Côté mission, on va de suite aller dans le bâtiment principal, parler au boss. Et on fera un point sur les missions secondaires parce que il va falloir remettre de l'ordre dans tout ça. Et en plus de ça, il y a des missions dans le marais. Il y a une invasion des tourmis dans la plaine juste avant. Et dans la plaine, il faudra aller farmer d'ailleurs parce que j'ai besoin de cailloux rouges, de galets pour faire des pokéballs. On ira chercher au passage peut-être les colis. Je pense qu'on va faire ça. Il y a des zones que je connais pas en plus dans la plaine, mais il y a des zones que je sais pas comment y accéder. Là, je pourrais y aller. Là, peut-être. Là aussi. Là, je sais pas. Là, je sais pas. Là, oui, en vrai. Je suis juste pas allé assez loin. Et apparemment, ça, c'est une petite zone aussi. Les étourmis, on va jeter un oeil de suite au Pokédex sur les étourmis, c'est le début. Les étourmis, vu que c'est une invasion, il faut en attraper, je suis à 11 sur 25, mais sans qu'il me repère, je suis à 8 sur 20. Et spécimen vaincu, il m'en manque 5. Voilà, et il faut en faire évoluer encore 2. Faut juste que je fasse évoluer 2 autres étourmis et j'aurai terminé le Pokédex. Bon, attendez une minute, j'ai une tâche non rapportée dans le Pokédex. Comment c'est possible? Comment c'est possible ça, que j'ai une tâche non rapportée dans le Pokédex? Là, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Allez, on va voir Cormier pour avancer sur l'histoire principale. Tu as fait du bon travail au Marais Carmin. J'aimerais maintenant que tu ailles explorer la côte Lazuli. Je préfère te prévenir, il n'y a ni roi ni reine là-bas. Ah bon? Pourquoi tu veux que j'y aille alors? Qu'est-ce qui se passe? À la base, il y avait bien un roi. Mais il a disparu, c'est ça? Mais un tragique accident l'a emporté il y a quelques années. Et selon les derniers rapports, d'étranges ombres ont été aperçus là où ils vivaient auparavant. De plus, les membres des corps de la défense et des artisans qui récoltaient des ressources sur l'île Crash-Feu ont dit avoir été attaqués par des fantômes. Je ne peux pas accepter qu'une cour royale soit mise sens dessus. Normalement, c'est la gardienne de la zone qui devrait régler cette histoire, mais la situation est un peu compliquée. J'imagine que tu as compris ce que nous attendons de toi. Rends-toi sur place pour mener des recherches. D'accord. Je t'attendrai sur la côte Lazuli. Tu verras, c'est vraiment beau comme endroit. Et elle adore. Par contre, une zone sans roi, ça veut dire que je vais peut-être le retrouver, le roi, en vrai. Bonjour madame. C'est un lieu plus éloigné que le marais. Le chemin pour s'y rendre n'est pas de tout repos.
Avec ton rang actuel, tu devrais pouvoir explorer la côte Lazu. Rends-toi sur l'île Crache-feu pour y mener tes recherches. C'est un ordre. Oh mon dieu, elle me fait peur. Est-ce que j'ai d'autres missions à récupérer quand même? Non. On n'a pas visité chez Cormier là-haut en fait, j'y pense là. On y est allé que pour des cinématiques, mais hors cinématique, c'est comment? Je m'en souviens pas. Pour un mur, c'est ça. Ah, il est là. Il n'y a rien d'intéressant. Wow, je suis sur le toit. Il y a un Magikarp. C'est des Magikarp, j'avais pas fait gaffe. Mais pourquoi il y a un accès sur le toit? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique? Bon, je reconnais que cette partie-là manque de végétation. Y'a rien. C'est quand même beau le village vu comme ça. Qu'on pouvait aller sur le toit. Mais c'est pas. S'il y a ça, c'est pas pour rien par contre. C'est qu'il y a une raison. Je peux pas sauter. Bon, est-ce qu'on va sur la côte de suite? En vrai, j'ai pas trop envie parce que j'irai plus au marais. Mais en même temps, il y a une invasion des tourmis. Pour en attraper un, pour avoir une case en plus. Deux, bah ça me fait. Enfin, après j'ai pas les crafts Pokémon et tout ça, c'est. Ou alors j'y vais juste pour faire les 5 vaincus. Parce qu'en vrai, il m'en manque pas tant que ça hein, pour finir ça, le truc là. Donc bon. Peut-être le marais. Et il faut faire de la place dans le pâturage. Il faut vraiment faire de la place dans le pâturage. Vraiment, vraiment. Oh, regardez, il y a Fantominus. Il bouge. Il y a Vortante. Il y a un Étourmi. Il y a un Pachirisu. Il y a pas énorme. Attendez, ils ont mis combien? 6, 7, 6. Il n'y a que 6 Pokémon qu'on peut voir. C'est pas beaucoup. Hein. Je suis un peu déçu sur ça. J'aurais voulu voir plus de Pokémon. Bon, faut faire de la place. Je vais relâcher toi. Désolé. Ah. Attends, je recommence. Je peux pas relâcher plusieurs. Ah, si, je peux faire comme ça. Non, pas comme ça.
Si, je suis obligé de faire un par un. Je peux pas les classer. Je voudrais les classer. Ah d'accord, pour relâcher c'est comme ça, d'accord. Des étourmis. 9, 2, 4, 4, 2. Faut que j'en fasse évoluer mais j'irai en capturer d'autres. Donc des chenilles pouettes, j'en ai plus. Casse sur que. Tout ça je pourrais les recapturer à la limite. Lixi pareil. J'ai presque envie de tous les relâcher en vrai. Peut-être garder un de chaque à la limite. Faire ça. Regardez ce muscle et bruit. Là il y a un muscle et bruit ici. Comment on fait pour les classer? Je sais pas. Bon, des fantominus, il y en a beaucoup trop. Je n'y pote. Là il y a les deux excès longues. Il y a trop de unipotes. Je suis unipote 17, je le garde. Voilà. Ici. Le bordel là dans les trucs là. C'est vraiment le bordel. Les hippopotages, j'en ai pas énormément. J'en ai beaucoup trop aussi. Tarsal, il y en a deux. Excellent que j'en ai croisé un autre. Fantomis, 24, 18, 17, 20. Ah, il y a un 22. Ok, maintenant on fait sur X. J'espère que je fais pas une bêtise en vrai. Comment je fais pour les déplacer? Aperçu, choisir, relâcher, quitter. C'est un peu le bordel. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Les Pokémon que t'as relâchés m'ont laissé quelque chose. 4 pierres effort. Mais c'est quoi le niveau d'effort? J'ai pas compris ça. 33 sachets de cailloux effort. 40. Oh là là. Ils m'ont donné beaucoup beaucoup de choses. Ah pardon madame, mais je voudrais reclasser tout ça.
Parce que là, c'est vraiment le bordel. C'est vraiment le bordel. Je peux vraiment pas les classer parce que c'est... Comment je fais? Je sais pas. Ah, peut-être comme ça. Je trouverai une solution de reclasser les boîtes plus tard. On a dit qu'on allait au marais. C'est... Ah, cinématique. Qui c'est? Elian. Il me dit quelque chose, lui. Ah oui, c'est lui, c'est vrai. C'est le gardien. Le gardien du H4. Tu dois aller où pour tes prochaines recherches? Crache-feu ou la Zuli? Bah la Zuli. C'est Garana, la gardienne, là-bas. D'accord. Il y a des Pokémon assez sensibles au pouvoir de certaines pierres. Et il peut... Oh, bah oui, c'est d'accord. Okay. Ça, je le savais déjà. Certaines pierres enferment le grand pouvoir. Mais ça, c'est les tablettes, je crois. Il me semble. Là, de ce qui parle. Encore des pierres efforts. On va faire un point sur le sac. Ouais, mes sacs ils sont déjà pleins, sérieux les gars. Oh là là. Tout déplacé. Maintenant, je garde quoi sur moi? Déplacer. Non, 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 non. Je veux juste le déplacer. Oh là là. Déplacer, voilà. Je veux garder les potions, les rappels, le rappel max. Ça, c'est quoi? Ça, je m'en fiche en vrai. Ça, je déplace. J'ai que ça en bol. Dans la boîte ici. On va se réorganiser un peu. Des remèdes permet de restaurer 100 PV. Ça oui, je prends. Le bonbon, je laisse. L'XP, je laisse. La pierre, tout ce qui est pierre d'évolution, pour l'instant, je n'y touche pas. Ça aussi. Ça, je sais pas ce que c'est. Je comprends pas comment l'utiliser pour le moment. Tout ce qui est pierre effort, etc. Le craft, je vais laisser là. Je sais que je peux y accéder sans que ce soit dans mes sacs. Je pense que je vais laisser ça comme ça. Je vais peut-être garder des baies pour lancer. Ouais, des baies à lancer. Ça, faut que je garde. C'est lié à une quête. Il fallait que je trouve des baies frambies. Il me manque des baies frambies. Ah non, j'en ai une là. Attendez. La quête des baies. C'est Il veut une baie frambie, mais j'en ai. Donc il faut que ce soit dans mes sacs. Donc 3 riz ailés. On va faire ça de suite. 3 riz, 2 baies ou boulons, une baie frambie. Et ben je vois d'ailleurs que c'est pas loin. Alors attendez. Une baie frambie, je la déplace. Baie boulon,
Il m'en faut 3. Je crois. Et le riz, 3 aussi. Ou c'est 1, 2, 3, je sais plus. Je vais y arriver. Bon, c'était 2 B ou bon, c'est pas. Et là, j'ai juste à le rapporter à la personne. Et du coup, ça fait la mission. Bah, let's go. J'avais tout, en fait. Muffin tradition, qu'est-ce donc? Un muffin à base de baies très apprécié des êtres humains et des Pokémon, notamment dans la région de Galar. Okay. Sauf que Evoli va les adorer. Bah oui. Et oui, il les adore. Gouzi gouzi, au secours. Non mais, sérieusement. Les rustimuffins. Bon, je vais supposer qu'il va y avoir d'autres muffins à préparer. Méthode pour crafter des muffins. Ah, il va falloir une boule d'appât aussi. Allez, mission accomplie. Directement à la porte, direction le coffre, deux emplacements de gagné pour deux emplacements de gagné dans le sac. Donc ça, je la déplace, ça je déplace, ça je garde. Bon, et bien on va voir comment ça se passe, mais d'abord direction le marais. Ouais, y a pas de mission là, c'est juste une apparition de temps. Y a quand même les colis, hein. J'avais dit qu'il fallait que je le fasse. Bon, direction le marais. C'est le bivouac de la friche. Ok. Je vais y arriver, à chaque fois je me pense. Il y avait là quelqu'un qui avait disparu dans le marais aussi. C'est sur ma droite. Ah, c'est là. Toi, tu cherches quelque chose. Dans un étang. Sérieusement? Il a perdu son truc dans un étang. Ah, il y a un colis derrière moi. Les étangs, c'est grand. Hein. Et toute cette zone-là, j'y ai pas vraiment accès, voire pas du tout. La zone d'en bas, là. Et il y a aussi la mission de la recherche. Il fallait faire... Ouais, c'est ça. Est-ce que j'ai des... Non, j'ai rien. Bon, on va aller vers le colis. Et on va suivre au passage la trace bleue de Ursa King.
Des boules de boue. Attends, stop, carte. Et non, mais c'est derrière moi. J'arrive pas à me repérer à chaque fois. C'est là-bas qu'il faut que j'aille. J'ai besoin de cailloux aussi. Et le colis, il est sur ma gauche. Il est en hauteur. Faut que je grimpe. Faut que je roule au moyen de grimper. Mais c'est la même place que tout à l'heure en fait. Ah, il est là, je le vois. Je le vois. Oui, c'est la même emplacement. Une pierre lune. Attends, je vais relire la quête. Ah, attendez, il y a un truc qui me chiffonne. Il y a vraiment un truc qui me chiffonne. Servez-vous de la monture pour trouver le signal de Charlie au marais. Elle peut être n'importe où. Et sinon, il a perdu une amulette en fuyant un Hippodocus baron. Ça aussi, ça peut être n'importe où, les hippodocus. Ah, signal bleu. Il n'y a plus de signal bleu. J'ai perdu le signal bleu. Ah, ça y est, je retrouve. Ah, trouvé. J'ai trouvé Charlie. Alors, elle était en train de retourner au bivouac, quand soudain, volant, je me suis fait attaquer par une horde de Pokémon. Heureusement, j'ai réussi à les faire éliminer, Samus. Mais à force de courir dans tous les sens, j'ai fini par me perdre. D'accord. Oui, je t'indique la direction du village, sans problème. Je peux te raccompagner si tu veux. Tu vas tomber dans l'eau, là. Bon, là, il n'y a plus qu'à retourner à la base pour cette mission-là. Alors, ensuite, je vais me mettre maintenant un tag ici. Attendez, il est où, lui? Il est derrière. Ok. Tant qu'à faire. On va parler à ce monsieur. Qu'est-ce que tu veux, Blanquette? Tu veux que... Je veux voir un Pachirisu combattre à tes côtés? Sérieusement? C'est où pour gérer les Pokémon ici? Pachirisu. J'en ai qu'un seul. Il est niveau 35. Par contre...
pour pas me perdre, je vais mettre mon équipe ici. Il veut qu'un seul, mais il veut... C'est pas cool le monsieur là ce qu'il fait. Hein. Il me vide mon équipe. Hein. Pardon ? Bon, il est niveau plus faible. Pourvu qu'il ne mette pas. Oh là là. Oh. Non. C'est pas cool ce qu'il a fait là. C'est vraiment pas cool. Hein. T'es paralysé. Obligé d'utiliser un item pour une quête. Ça, ça m'embête. Il est plus paralysé. Je vais avoir. Aïe. Allez, voilà, c'est ça. Mais j'ai fait, j'ai claqué une super potion par contre. Une B, 3 B pardon, et un caillou. Bon, je vais pouvoir récupérer mon équipe. Je vais me reposer quand même, je vais heal. Je vais heal le Pachirichu, je vais pas le laisser comme ça. Papillon, je vais peut-être le laisser là et je vais peut-être aller chercher le tortipousse pour avoir du plante.
Plusieurs fois, j'ai des quêtes plantes, donc je vais up un petit peu le tourtipousse. Je vais faire ça, ouais. Mais par contre, le charmillon, je vais le conserver. Je vais le mettre en une place numéro 1 pour bien me rappeler que je ne dois pas l'utiliser. Et vous, je vous déplace parce que c'est vraiment le bordel, hein. C'est tellement le souk. Mais regardez-moi ces boîtes. Aucune organisation. Bon. Je cherche une amulette quelque part dans des marais où il y a des hippodocus. Il est sûr et certain au marais Carmin. Il a fui un hippodocus baron. Il faut que j'erre quelque part dans le marais, un peu partout. Trouver un hippodocus baron. Une petite zone que j'ai pas fait là. Je vais essayer de peut-être faire la zone à gauche. Voir si je peux pas traverser là-dedans. Là. On va voir. Je suis pas trop à la chasse aux Pokémon encore. Enfin, sur ce. Comment je passe en faisant le grand tour? Et oui, des hippodocus là? Non. Le passage il est de ce côté. C'est vrai que j'ai pas trop mis les pieds là en fait. Hein. Là sur la carte, je vais aller plus de ce côté. Il y a des castorneaux. Rien. Oh, une flamme! D'accord. Il a perdu la trace du trésor. Pas grave. Bon, où est-ce qu'on est là? Donc je continue sur la gauche. Ah ben il y a un gros ours là. Ah, il est vénère. Je vois plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Je tombe, je pense que il y aura du brouillard partout. Je vois plus rien. La caméra, quand Ursaring, Ursaking, pardon, décide qu'il y a un trésor, rien ne peut l'empêcher de aller chercher. Bon, il est où ton trésor?
Voilà, il est là. Et c'est quoi? Le vieux poème numéro 1. Allez, on va le lire. Au commencement, ils étaient deux. L'un contemplait du temps la progression. L'autre admirait de l'espace l'expansion. Tous deux à la recherche d'un avenir radieux, les confins du monde étaient leurs vœux. Désormais seuls, chacun sur des chemins séparés, ils vagabondent, le grand Sino à leur côté. Voilà. Je fais demi-tour là. Bon, ils sont où les hippopos? Ah. Il y a peut-être moyen de passer. Ou pas. J'ai essayé. Allez, plouf. Où est-ce que tu m'as ramené? Mais non, pas du bon côté, sinon c'est pas drôle. Il y a un script. Bon, je peux pas aller de ce côté. Mais peut-être que je peux aller par là. Passe le grand tour. Génial. Il n'y a vraiment aucun passage. Dommage. Je peux ramasser mon trésor avant, s'il vous plaît. Non, je ne peux pas. Il y avait des... Attends. Non, non, il faut que je mette le Pokédex, mais c'est tout le monde. C'est pas une pierre soleil. Où sont les hippopos? Ah, il y a des hippos là. Des hippopos. Mais il n'y a pas de baron. Là. Il y a le baron, il est là. Bon, où est-ce qu'il est son item? Là, ici. Il est là, l'item. Voilà. Il est derrière toi, le baron.
Il y a juste un combat. Il m'autorise à pas être en train de... Oh, niveau 34. Combo ça. Ah. Danger. Danger, danger. C'est un sol. Envoyez le multiflotte. Il m'a suivi. Bon bah mission terminée. Hein. Fragment fer, caillou et fort. Okay. Par contre, voilà, c'est pas tout ça, mais il y a toujours le vrai baron. On continue un petit peu la visite tant qu'à faire. Je vais descendre un peu. Il y a la reine Ursa. Toute cette zone là je ne peux vraiment pas y accéder. Et donc le colis je peux pas y accéder. Je ne peux pas du tout y aller. Il y a des petits galets, j'en profite. Il y a une flamme en face. Il y a un fantôme minute. Et non, il n'y a rien, rien, rien pour y aller. Et pour monter là, je fais comment? Pas très legit hein, ça, je fais pardon mais... Ouais, je peux pas y aller. Non, c'est pas... Ce n'est pas grave. Alors... Je pense... aller dans la nouvelle zone. Série flore, on sait pas. Les flammes, c'est petit à petit. Ça, c'est un rapport. Faudra que je retourne à la ville. Ça. Ça doit être dans la nouvelle zone. Ça, c'est lié à la nouvelle zone. Ça aussi. Et ça aussi. Bon, ben, on rentre. J'ai déjà tout ça en item quoi, sérieux. J'ai eu une pierre lune. Hein. Voilà, je garde ça. On va se reposer. Sérieusement, j'ai 5 trucs. Le nombre de points n'est pas très pour les proportionnels. La proportion.
proportionnalité. Bref. Alors, un point au village. J'ai juste à faire mon rapport. Ok. Accompli. 3 poussières étoiles, ça se vend ça. On va passer au tableau. Pas de mission. Je vais vendre des choses. J'ai une hyperbole, trop bien. Il y a beaucoup d'objets perdus partout. Hein. Que je ne peux pas récupérer. Alors, cette nouvelle zone, qu'est-ce donc? Nous avons une île crache-feu. Il y a énormément d'eau. Vous avez vu, on dirait une main. Ça fait un bras. Et une main. Creux du cap. Grotte du retour. Il y a des colis. Il y a des missions secondaires. Et moi je vais atterrir au bivouac des plages. D'accord. Il y a beaucoup d'eau quand même. Alors, beaucoup de décors, c'est joli, tout ça, génial. Il y a une arche en plein milieu. La côte Lazuli. Et voici la côte Lazuli, le ciel, la mer, la brise. Admire donc ce vaste paysage. Quel type de Pokémon allons-nous rencontrer? Des Pokémon eau, certainement. Des Pokémon vol, assurément. J'ai hâte de le découvrir. Il est à son appareil photo. Mais n'oublie pas ta priorité. Accomplir la mission qui t'a été confiée. D'ailleurs, si tu as peut-être des questions à ce sujet, je t'écoute. L'île crache-feu. Comme son nom le laisse deviner, l'île crache-feu est une île volcanique, donc on va y trouver des Pokémon feu, des Pokémon sol. Roche. Pour t'y rendre, parle à Graham, c'est un des gardiens du clan Diamant. Il devrait pouvoir t'aider à traverser la mer pour atteindre l'île. J'ai d'autres questions. D'accord. Qui t'es, toi? Tu connais Chaglam?
D'accord. Donc on va croiser des chaglans. Bon, j'ai une quête devant moi. Et je vais aller sur la droite et après aller sur la gauche. Donc d'abord sur la gauche. Oh, pop, pop, je l'ai vu. Je l'ai vu. Je veux grimper. Je peux pas. Pas la même musique. J'adore la flûte. Quand j'en joue, c'est comme si chaque note flottait à travers l'espace, sans jamais s'arrêter. Ça y est, je suis enfin prête à t'affronter corps et âme, s'il te plaît. Bats-toi contre moi. Oh non. Pourquoi? J'ai besoin de comprendre mes faiblesses, alors s'il te plaît, accepte ce combat. J'ai pas le choix. Hein. Oh là 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 là. Oh! J'ai pas le choix du Pokémon? Mais t'es pas soigné. Mais elle a sorti plein de Pokémon. Oh! Oh, j'ai compris comment. Oh, j'ai compris. Pas KO. J'aurais dû me soigner. Danger. Je peux changer de Pokémon ou pas? Oui, je peux changer de Pokémon. Donc c'est bon, je peux me mettre KO, c'est pas grave. Au pire, je me healerai tout à l'heure dans la cabane. Sous la tente. C'est Bouli, niveau 15. V1 elle abuse, d'accord. C'est qu'a besoin d'être équipé là. Toi, allez. Ça sera un peu plus équilibré déjà. Partout. Je vais finir par l'appeler Natacha parce que j'arrive pas à prononcer son prénom. Ça m'a fait du bien, mais je dois reconnaître que je me sens toute petite au milieu de ce monde immense. En tout cas, merci pour tout. Attends, je vais soigner tes Pokémon. J'espère bien. Ces chaussures, on dirait des Pokéballs modernes. Sur les couleurs. C'est étrange, mais j'ai l'impression qu'avec toi, je peux parler ouvertement en toute honnêteté. Ah, tu te drogues, t'as des soucis d'alcool. Mais comme je suis la chef du clan, je peux pas montrer mes faiblesses. Je peux pas montrer mes faiblesses à des personnes du même rang, comme le dirigeant Cormier. Franchement, parfois, je me demande comment je me suis retrouvé à porter un fardeau pareil. À propos, notre gardienne sur la côte Lazuli s'appelle Garana. Le problème, c'est qu'ici, il n'y a plus de roi. Il y a un problème avec les négations, c'est il n'y a plus de roi. Et Garana n'a pas élevé son héritier comme elle aurait dû le faire. À cause de ça, il y en a qui pensent qu'elle ne mérite pas sa position de gardienne. Mais quoi qu'ils disent, Garana est une personne importante pour moi. J'ai beaucoup appris d'elle quand on était en compétition pour le poste de chef du clan. En fait, j'ai une faveur à te demander.
J'aimerais que tu l'aides à entraîner son Pokémon pour qu'il devienne le nouveau roi. J'en étais sûr qu'il y allait avoir un tout comme ça. Avec ton talent, je suis sûr que tu réussiras à faire de l'héritier un roi valeureux. Et comme ça, tous ceux qui critiquent Garana pourront plus rien dire. Tu nous as déjà aidé à apaiser Ashikator, je suis sûr que tu peux y arriver. Il n'y a pas eu que Ashikator. Hein. Pour trouver Garana, descends par ce chemin, grimpe la colline située sur ta gauche. Et au prochain virage, tournez à droite. Bon, c'est bon ? Je vais chercher le petit colis juste à côté. Il y a un chat. Ah, mais c'est lui la queue, un tire-bouchon. Attendez, il y a une quête. Il y a une quête. C'est ça, c'est lui. Allez, on croise les doigts. Nickel, bon, ça fait ma quête. Allez, ça c'est fait. Le colis, il est par là. Il est en face, je le vois. Oh, des cornèbres. Fichez-moi la paix. Ça, c'est quoi? Un papylord. D'accord. Ça fait mal. C'est bon, ils sont calmés. Okay. Bon allez, je vais en face. Il y a une flamme. Je vois la flamme. On va sur la flamme. Qu'il y a 20 flammes par zone. Un chat moche, surtout son évolution. Je vois très bien de quel chat tu parles. J'ai plus. Attends, chat glam et. Chafreux. Les cornèbres m'embêtent quand même. Je vois pas. Parce qu'il m'aggro. Mince, il m'a vu. Les cornèbres m'aggro, mais dès que je lance le combat, il se barre. Et 2-3. Faire un point sur les objets. Là. Pokédex. Je vais faire comme ça, ce sera plus simple. Bon, mais il y a tous. À la côte Lazuli, je peux quand même trouver des. C'est le bordel en fait. Voilà. Alors, il faut que j'en attrape 5 sans que je me fasse repérer, que j'en vainque, que ce soit des légers, qu'il utilise machination, que je lui lance de la nourriture, zut, suffisamment. Ok. Il a pas aimé le miel.
Il y a un oiseau là, c'est un étourneau. Ouais, ça y ressemble. Un sac de... par contre... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non, je suis encore loin de ce... De loin. De... Je suis encore loin de loin français. Je suis encore loin de là où je voulais aller. Pardon, sac de... Je passe. Ah, il m'a vu. Tant pis. Il y a un cap humain. Je suis en face de lui, je peux pas... Il faut qu'il recule. Je suis vraiment en face de lui là. Comme ça par exemple. Allez, Edin. Là-bas, il y a un cap humain qui dort. Lance la Pokéball dans le vide, bien sûr. Il y a une maison là-haut. Il y a un bâtiment. C'est quoi ça? Un autre cap humain. Il mange de la nourriture. Allez, recule-toi. Ah, il bouge de partout. Allez. Non. Normalement, il ne m'a pas vu. Ok. Bon, c'est quoi ce petit bâtiment? La maison semble vide. Il y a le barbecue qui est allumé, donc c'est pas si vide que ça. C'est qu'il y a quelqu'un pas loin. Juste en face de moi, un petit peu en contrebas, il y a une mission et... Il n'y a pas de punition, il y a mon colis que je cherche. Ah, il y a un cap humain qui dort. Pas une flamme qui se cache en hauteur là. Il y a un autre cap humain. C'est pas du tout ce que je voulais. Ah, il m'a vu. Je pense qu'il m'a vu. Bon, je suis ici. Alors, il y a un cap humain vénère en bas. Il y a des... C'est quoi? C'est un banc? C'est quoi ce truc? C'est un bout de bois peut-être. Non, ça doit être un bout de bois. Il y a un oiseau dessus. Oiseau... Alors, il y a un arbre tout seul et un oiseau là. Je vais redescendre. Il y a un pupillon
Allez, en diagonale, normalement, je prends pas trop de dégâts. Voilà. Carte. Tout droit sur ma droite. Non, je dis tout droit sur ma droite. Il s'est barré. Il m'a vu ? Pourquoi je peux pas attaquer ? Petit bug. Papy Lord versus moi-même et Papy. Alors, j'avais plein de choses à faire avec mon pourrisson. Ah, il y en a un troisième. J'avais pas vu. Ok. Il y a du miel, des apitrinis. Apini, je sais plus. Capuma. Ah, Capuma qui dort. C'est vrai? Ah non, j'ai peur. Maquette secondaire. Que cherches-tu? Zana. Tu n'aurais pas vu Yorick du corps des bâtisseurs par hasard? Ça me dit quelque chose, ça. Il est loin. C'est beau, hein, franchement. Il est beau, lui. J'ai vu les oiseaux, hein. Je les ai vus. J'ai un colis à récupérer quelque part. Il est sur la côte ? Il est passé. Un Togepi. Ah mince. Où est le colis? Je le vois. Non, c'est pas un colis. Si? Je sais pas. Non, c'est un reflet. C'est pas un colis. Il est au-dessus, punaise. Il est devant moi. Au-dessus. Faut que je puisse grimper. C'est une plante, ça. Je peux aller dans l'eau? Je peux aller un peu dans l'eau. On va pas trop... Ah, j'ai croisé un aquaquac. J'ai vu un aquaquac vénère aussi de loin. Il est là. Je vais essayer de pas tomber. S'il y a une flamme dans les parages, c'est pas cool. Alors, est-ce que de loin on voit une flamme? Il y a un bateau. Ah, bah, le bateau, j'en ai besoin pour la photo.
pas oublié le collier, vous inquiétez pas. Il y a pas de flammes. Les flammes, je les vois de loin en général. Ah, c'est oui. Je vois ce que c'est comme Pokémon. Les Obali. Et le colis, il est là. Le voilà. Voilà. Et là, il y a un oiseau devant moi. Il y a un cap humain vénère. Mais je ne vois pas de flamme. Bon, dirigeons-nous vers la quête. On va essayer de pas trop s'approcher du aquaquac vénère quand même. C'est peut-être pas le moment de trouver des trésors, quoi. C'est juste un tronc. Pardon l'oiseau, je passe. Donc ça c'est les bateaux. Oh, j'en veux un comme ça. N'avais pas encore. Jaco. Essaye, tout en essayant d'esquiver l'autre. Bon, il se barre. Et lui, il m'embête. Lui, il m'embête. J'ai plus de vie avec le rythme là. Allez, dis-moi que tu fais un petit OS. Merci. Mais il me voit de méga loin. Oh, une caisse. La caisse, à mon avis, ça va être lié à une quête plus tard. Allez, ça c'est fait. Aller dans l'eau ou pas? Oh, des algues machin, des pétaralgues. Pardon, je passe. Je me casse. Il y a plein de casses. Hein. C'est quoi ça? On dirait un portail pour une autre dimension. C'est vraiment chelou. Des Pokémon, ça, qu'il y a dans l'eau? Un Remoraid. Oh, punaise, des Remoraid. Mais ils m'ont vu, là. Bon, c'est quoi, ce portail? Il est hyper grand.
Très portail. Un trésor. Non, c'est que des fragments. Qu'est-ce qui se passe? C'est des fantominus? Non, c'est des baudrives. Bon allez, on va parler à la madame. Trouver Yorick. Yorick du corps des bâtisseurs, où est-ce qu'il est caché? S'il est à l'autre bout de la map. Ça m'étonnerait, mais quand même. Il y a une flamme, je la vois. Noyé avant, par contre. Non, c'est bon. Il y a une question de me foutre de marée. Ok, il y a 18. Oh! Le vénère. Ah, il est vénère par contre, il a les yeux. On va pas l'approcher. Il y a quelqu'un là. Un Pokémon qui parle à l'aide. À l'aide, à l'aide. Regardez comment c'est écrit à l'aide. Yorick! Ah, c'est Yorick. Ah, mais c'est parce que c'est le Pokémon qui parle comme ça. Le vénard énervé, on dirait moi sur Yuna. Allez, le secours! Jaco! Allez! Ah! Non, c'est pas cool. Mon furisson, il est en PLS. Faut que je le capture en plus. Pas penser à faire les styles de combat. Deux furissons. Je devais pas faire aérokick avec lui à la base. Il me semble. Bon, tant pis, j'ai fait un petit chaos sur un Pokémon que je voulais capturer. Ah. T'as pas cage éclair avec Luxio? Ça aide bien pour la capture. Non, non, c'est Croéclair que j'ai, c'est pas cage éclair. Allez, le bivouac, le bivouac. Ah, le Pijaco est revenu. Vu ton level, tu l'as supposément. Peut-être. Un nouveau bivouac. Bonjour, prof. Un bivouac. Faut que je me heal. Que je récupère ça au passage.
mes sacs sont pleins presque, hein, évidemment. Je voulais faire quoi? Oui, regardez la carte. Donc le bivouac, il est bien. Là, il y a la presqu'île de Tombolo. La crique paisible, c'est là où il y a le cap humain vénère. Et il va falloir que je... Rive des revenants. Il y a un bateau ici. J'ai un truc à faire. Alors, je me heal. Juste un tout petit moment. Et il faut que je capture quelqu'un. Un des Pokémon. Comment il s'appelle? Comment t'as dit qu'il t'appelait? Je sais plus. Spirit Bomb. Et le bateau, il est... là-bas. Il y a des gros drives qui vont m'embêter. Il y a des beaux drives aussi qui vont m'embêter. Le problème de cette zone, c'est que... oh, je les ai vus. C'est que... je suis visible de partout. C'est quoi ce Pokémon? Qui c'est qui m'attaque? J'ai vu le squelette. Je l'ai vu. Te capturer, je voulais pas t'attaquer. Il est où? Oh, il y a un trésor. Oh, il est un peu à la zone. Il me suit, hein. Bon, on retourne au bivouac. Punaise, sérieux. À part que j'ai peur. T'as raison. Mais t'as un trésor, toi? Éternuer. Il y a une flamme en face. Pardon. Pardon, je suis désolé. Et d'une quête. Allez, ça c'est bien. Il y avait un autre Pokémon étrange qui était au-dessus.
Il est là. Terraclope, ok. Il y a beaucoup de baudrifts. Ah, il y a un autre petit fantôme là. J'ai eu du stress. C'est l'évolution de ton petit squelette. Sérieux ? Je savais pas. Et l'inox. Là c'est la fatigue. Bon, ça... Allez, le jour se lève. Cette zone est vraiment très particulière. Salut Pijako. J'ai pas combattu encore. Si, je t'ai combattu. Oups. Passer le long de la petite lagune. Des papillons comme ça, j'en ai déjà. On n'est pas battu. Ah, bien en arrière. Une fève d'olu. Pardon, mais c'est pas du passe. On va faire le grand. Là, on va s'amuser. De Pokémon qu'on a croisé dans la dans les plaines. Allez, on avance. Au Bali. Bali ça aussi. Oui. Il fait dodo. Non. Il y a un scorpion en face.
Rapion, je crois que ça s'appelle. Oh là, il me voit de loin. Il n'y a pas qu'un Rapion. Et il a les yeux rouges ou pas? Non, c'est mal. Non, il a pas les... Si, non, je vois pas. Si, il est vénère. Si, 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 il est vénère. Il est vénère, vénère même. Il en a pas marre de me suivre. On va le battre. Bon, le rapion c'est fait. Le violet là-bas, non. Hein? Juste non. Ah, il y a une autre arche de l'autre côté. Il y a une autre arche. Alors. Sur la carte, on est où là? Ok, j'ai commencé à faire le tour. Il y a un colis en face. Je vais peut-être me diriger vers le colis. Et attraper la quête secondaire en espérant que la quête secondaire ne soit pas très difficile à faire. Et rapide surtout, surtout ça quoi. 2 secondes. Alors. C'est quoi c'est... Je vois pas. Mach. Mako Macho Machopper. Il est vénère, il a les yeux rouges. On s'en approche pas. Il y a Machoke à côté. Pas. Non mais le rapion il va m'avoir à 3 kills. Voilà. J'ai rien fait. J'ai rien fait et le morpion c'est mort. Mince. Je vais essayer d'avoir un match-up. Jusqu'au bout, suspense. Non. Dommage. Dommage, dommage. Non, il m'a vu. Il m'a vu. Dans cette région, les Pokémon, c'est... Ils fuient pas, c'est... Je veux taper. C'est... Ils voient quelqu'un, c'est taper. Vraiment... Yes. Bon, Rapion. Qu'est-ce qu'on lui fait au Rapion? Derrière lui, là. Ne te retourne pas. Il m'a vu! Non, 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 non! Ah, il y a Machoke qui dort, par contre. Machoke qui dort ou qui médite. Ok, ça c'est tout. Ah, il y a un autre Machoke en face, mais là il est pile face à moi. Il est complètement raté. Il m'a vu ou pas? Demi-tour. Je lui demandais, hein. Punaise. Bon. Allez, go mon Pokémon haut.
On va y envoyer l'eau du vivre à quoi. Hein. Je crois pas que Mystic Flotte ait terminé la quête des vivres à quoi. Tout ça. Je pourrais le capturer là. Mais il faut en battre et continuer la quête des vivres à quoi. Hein. On va chercher les cailloux magiques. Voilà. Est-ce que le rapion est toujours là? Ouais, le rapion, il est... Ouais, mais le rapion... Il va m'embêter. Il me voit d'en haut. Comment vous voulez que je capture ce... Sérieusement. Ah, il y a un autre matelot qui dort. Fatigué un Matchock hein. Nickel. J'aimerais bien capturer un rapion quand même. Auto. On avance un peu sur la côte. On va faire ça. Il y a un colis là. Non, c'est une bûche. C'est une bûche. Là, il y a un rapion. Là, il y a un colis. C'était fait. C'est... Et la quête, elle est derrière moi. Comment je vais y accéder, par contre? Comment je vais accéder là? Et la quête principale, elle est là, d'ailleurs. J'ai raté un chemin quelque part. Ça, c'est sûr. Là, il y a plusieurs strates. Donc à la limite, il aurait peut-être fallu monter ici, là. Je vais aller au bout de la plage, on va voir. Sinon, il faut revenir en arrière. Oh, il y a un octo machin. J'ai l'impression d'être sur Pokémon Snap, là. Cette zone-là, pour moi, c'est une New Pokémon Snap. Si vous comprenez pas, je vous invite à aller voir les VOD du stream du mois de juin dernier. Mais c'est un baron? Ah oui, non, on va pas s'en approcher en fait, c'est un baron? C'est juste mort. Je tiens à ma vie. Pardon, rapidement je passe. Et là, je suis au bout du monde. Il y a des Pokémon dans l'eau. Allez, on va faire le combat. Ça, il va nous laisser tranquille. Ah, c'est vrai qu'il y a ce problème. J'avais oublié. Oh, les rapions, faut les battre avec le feu? Sérieux? Attendez. Point Pokédex. Alors, Chaglam, j'en ai capturé. Cornèbre, on est. Voilà. On est à la ramasse. Chaglam. Il faudrait que j'en capture 2. Il faudrait en vaincre. J'ai vaincu 0 Chaglam. Il faudrait leur lancer de la nourriture qu'ils aiment. Papylord. J'en ai vaincu. J'en ai pas du tout attrapé. Et il faut les battre par de la roche. Cap humain. J'en ai attrapé pas mal. Il faut le vaincre par une capacité de type combat. Ça, je suis pas sûr d'en avoir encore.
et il faut lui lancer de la nourriture. Et il faut qu'il sorte d'un arbre. Ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pijako, j'en ai attrapé, j'en ai vaincu. Il faut les vaincre par de l'électrique. Il faut qu'il utilise tranchère, tout ça. Et il faut lui lancer de la bouffe. Ok. Remored, je lui ai juste fait coucou. Hein, voilà. Là, je vais avoir. Je vais galérer un peu, je pense. Il faut le vaincre par la plante. Ok. Skelenox, j'en ai attrapé. J'en ai vaincu. C'est des petits chiffres hein, sur les Skelenox en vrai. C'est qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup en fait. Et il faut qu'il soit effrayé par sa chépétarade. J'ai l'impression que les Pokémon Spectre, Ténèbres, quelque chose comme ça, ont tous peur des sachets pétarades. Fantominus, il a la même chose. Terraclope, attraper, vaincre, ok, il faut qu'il utilise des choses. Et il y a l'évolution. Obali, attraper, il faut que ce soit un poids lourd, il faut les vaincre. Il faut qu'il fasse roulade, il faut lui donner à manger. Ah, il y a sachet pétarade aussi. Rapion. Il faut qu'ils soient de petite taille, mais il faut les attraper, vaincre. Vaincre par le feu. Donc ça, et Rapion, c'est bon, hein, je sors mon starter. Et il faut qu'il utilise Darvenin, d'accord. Il n'y a pas beaucoup de chiffres non plus, en fait. Il y en a beaucoup le long de la plage, donc il suffit de faire une session de farm, et les Rapions, c'est fait. Hein. Machoke. Il en a attrapé 4, dont un poids lourd. Il est vaincu, il faut le vaincre par le vol. Il faut qu'il utilise Éclate-Roc. Et là, il faut qu'il utilise puissance. Donc là, il va falloir que je le lance moi en combat. Et il faut ralentir ses mouvements. D'accord. Et là, on a quoi? Une raie. Là, elles sont beaucoup trop loin. Elles sont vraiment beaucoup trop loin. Ah. Ça revient ou pas? Pas l'impression. Dommage. Bon, dans l'eau, faut regarder. Faut prêter attention à ce qu'il peut y avoir dans l'eau. Et moi, si je fais un plongeon, ça craint. Ah, c'est le petit machin, il est pas content. Ah. Est-ce que je peux... Non, je me noie. Je peux nager? Il y a un Pokémon. Il m'a vu. Mais j'ai juste un tout petit peu nagé. On est d'accord que je peux pas nager là-bas. Non, je peux pas nager là-bas. Oui, c'est bien ça. Je peux pas nager. J'ai testé. Ah, bon, on va se reposer. Mais je suis un aggro, je peux pas me reposer. C'est la première fois que ça m'arrive comme ça. Donc, j'ai perdu des objets. Oh punaise, il y a 3 rappels dans le... J'ai perdu le rappel max et 3 rappels. Ça m'embête. Hein. Je lance un appel, joueur, joueuse. S'il vous plaît, ramenez-moi mes objets. Et je reviens loin, mais tellement loin. Bon, mes Pokémon sont safe au moins. J'ai plus mes Pokéballs ? J'ai plus mes Pokéballs ? Ah si, j'ai eu peur. Non, c'est juste moi qui sais pas scroll. La fatigue. Bon. On va accélérer un peu les choses. Carte. Remonter, je suis mort là quoi. Je suis revenu loin. Je suis revenu au dernier truc visité. Je vais aller ici, je vais me TP là.
pas encore battu de chaque lame, d'accord. Il va s'enfuir. Ou pas. C'est juste pour le chocolat. Alors, où est-ce qu'on monte? Oh, je vois la route. D'accord. Comment ça se fait que je suis passé devant sans la voir? Je comprends pas. Et je peux pas avoir mon propre colis sur la carte. Mais non, bah non. Ce n'est pas drôle sinon. Il y a un papillon. Alors attendez, Pokédex. Le papillon, il est loin. Il est où? Charmillon. Il faut en attraper, il faut en vaincre par de la roche. Vaincre par de la roche, ok. Bah go hein. Hey, niveau 30 hein. Un Pokémon. Quoi? Une chenizelle. Je vais lui faire mal. Hein. J'ai vraiment peur de lui faire mal. Mon vent argenté, c'est supportable. Sauf s'il le fait 50 fois par contre. Grenade, c'est bon. C'est l'heure de l'objet. Pokéball. Mais non, mais il fallait le vaincre. Ah non, c'est Chenizel. La fatigue, je pensais que j'étais encore sur le papillon. Je suis à 11 sur 15 sur le style puissant. C'est chouette ça. Je vais peut-être me heal. Attendez. On sait jamais. Ça veut dire 4 styles puissants. Suis où de base dans le Pokédex pour faire mon starter là? Non, il est pas là. Attendez, où est-ce qu'il est? Furisson. Il est après, vu que c'est dans l'ordre d'apparition. Ouais, je change cet ordre. Voilà, Furisson. Alors, puissant, je suis à 12 sur 15. Vive attaque, voilà, 3 sur... Route de feu, je suis à 9 sur 15. Et Flamèche, je suis un peu à la bourre aussi, en fait. Je suis à la bourre sur Flamèche et vive attaque. Et il faut faire des routes de feu. D'accord. Style rapide, je suis à 6 sur 15. C'est pour être sûr. Pas une flamme qui quelque part. On frotte ces papillons. Vous pouvez voir une flamme au-dessus. Là il y a des cerfs. Il y a un paras. C'est juste de l'exploration.
Et... Qu'est-ce qu'on a d'autre sinon? Là, là, il y a un peu. Ben voilà ma quête. Tu es le membre du groupe Galaxy dont tout le monde parle. Tu as apaisé la reine du col, c'est ça? Oui. Tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé. Des caps humains m'ont volé les marchandises que je transportais. Ah mince. Ils m'ont fait courir dans tous les sens, comme s'ils me narguaient. Je crois que je ne pourrai jamais les rattraper. Faut les battre, quoi. Ah oui, ils se barrent. Oui, oui, on va le faire. Allez, demi-tour. On va s'en occuper. Je vais pas prendre. Non, vous allez pas me faire courir sur toute la région. Ça, c'est mort. Se battre. Attaquer s'il vous plaît, ça m'arrangerait. Allez, plus qu'un. Ce bœuf, oui. Les bénanana. Bon, ça me fait un sachet pétarade. 5 sachets pétarades, d'accord. Et des bonbons. C'est bon, monsieur le PNJ? Où suis-je sur la carte? De l'autre côté, on a une grotte. La grotte du retour. Oh, mais si, mais il y a. C'est. Non, attendez, j'ai un doute. J'allais dire que c'est une grotte de créa quelque chose, mais en fait non. Et peut-être que rentrer là-dedans, ça fait passer de l'autre côté. Je peux pas voir à cause des falaises de toute façon. Bon, les paras, j'ai pas le temps. Il faut que je parte sur ma gauche. Allez, c'est parti.
un chemin là. Ouais. Peut-être pas. C'est pas un chemin, non. Je vois même pas le... Je vois rien. La grotte, elle est en dessous, là, on voit l'entrée. Mais je pense qu'il va vraiment falloir un Pokémon haut. Et en face, on a un beau volcan. Un volcan dans un volcan, d'ailleurs. Si on observe. Bon, la quête principale. Hop, hop, hop. Je t'ai vu. Et tu m'as vu aussi. Petit Goupix. Oui, il y a des Pokémon que je préfère à d'autres. Allez, Goupix, c'est fait. Je vais nourrir le Chaglam. Allez, il se nourrit, parfait. On va essayer de l'attraper. Il y en a un autre qui dort là. Il y a un Chaglam qui dort là. Voilà. Ça fait 6. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un Chaffreux. C'est un chaffreux vénère. On va faire le tour. Il m'a pas vu. Alors juste, je voudrais casser ça. Ouais, je pense vraiment que je vais pouvoir aller dans l'eau à un moment donné. Et peut-être pas aller trop loin. Mais là, c'est vraiment une zone de nage, quoi. L'eau, elle est pas pareille qu'ailleurs. Et là, il y a un petit chien tout mignon. Il m'a vu. C'était, j'ai fait tout ce que je voulais pas faire. Ah oui, mais j'ai failli tomber comme un caca. Je m'en vais loin. Comme ça, il me voit pas. C'est bon. On rentre. Il est là. Non, là, il m'observe. Il m'a vu. Punaise. Ah, il y a une autre petite. Là-bas, comment est-ce que je vais faire pour pas me faire repérer? Le chat m'a vu, hein. Clairement, le chat là, le chat il m'a vu, il m'a repéré. Alors le chien. Ouais, j'aille dans les herbes en fait. On va voir s'il est attiré par le fruit. La réponse est oui. Allez, on l'attrape. Parce que ce chien, c'est juste un caninos de Hisui en fait, mais il est tellement mignon. On dirait un chien japonais, on dirait un Akita Inu.
pas de flamme. Non. Petite cinématique. Nini. Allons, allons, tout doux. C'est la gardienne. Il y a des chances. Oui. Je suis Garana du clan Perle. Et toi, tu es? Oh, mais tu es du groupe Galaxy. C'est toi qui as réussi à calmer Ashikator et Fragile Eddy, n'est-ce pas? Je ne m'attendais pas à ce qu'une personne aussi forte ait un visage aussi. Que fais-tu ici? Il n'y a pas de monarque enragé sur la côte Lazuli, fort heureusement d'ailleurs. Il y avait un roi jadis, mais il s'est sacrifié pour sauver son petit qu'une vague avait emporté. Pardon pour cette question soudaine, mais selon toi, lequel de ces deux caninos est le fils du roi? Le roi, c'était Arcana. Le plus grand? Est-ce que tout le monde répond généralement? Et ça va être le plus petit? Bah oui. Ce caninos si sage qui se cache au moindre bruit, en fait le petit du roi défunt. Nonos! Il a tout ce qu'il faut pour devenir roi à son tour, mais voir son père périr sous ses yeux l'a profondément marqué. Alors tu comprends, je n'ai pas le cœur à le forcer à s'entraîner pour devenir le prochain roi. Peu importe ce que peuvent penser certains dans le clan père. J'ai décidé de le laisser vivre comme il le souhaite et de toujours rester à ses côtés. Tu sais donc pourquoi il n'y a plus de roi dans cette zone, alors qu'es-tu venu faire ici? En vrai, j'espère que c'est pas... Ça n'a pas d'influence. Je veux dire visiter. Oh, tu veux te rendre sur l'île Crache-feu? Il paraît qu'on y voit des ombres étranges. Cependant, si tu comptes y aller, tu devras traverser la mer à dos de Paragruel. C'est quoi? Pour cela, tu devrais aller voir Graham, le gardien du clan Diamant. Il se passe définitivement quelque chose d'anormal sur l'île Crash-Feu. Il y a bien sûr ces ombres étranges, mais aussi l'éclair qui s'est abattu depuis la faille. Donc, il y a un Pokémon à calmer. On dit que les éclairs sont la colère des dieux. Le grand Sinnoh nous en voudrait-il? Je dois avouer que cela m'inquiète. Autrefois, les clans Perle et Diamant étaient en conflit, chacun prétendant vénérer le seul véritable Grand Sinnoh. Le Grand Sinnoh aurait-il donc décidé de punir ceux qui vénèrent un imposteur? Pardon, je m'égare et m'hésite. Il faut que tu ailles voir Graham, oui, mais il est où? Longe la plage Ginkgo et tu le trouveras sur le mont des Cap Humains. Il faut aller à l'autre bout. Bon, heureusement que j'ai installé un bivouac. Non, non. Ah, il est loin. Il est loin, loin, loin. Il n'y a toujours pas de... Mal fait, ça. Toujours pas de flamme. J'ai peur de tomber, là. J'ai peur de tomber. D'accord. En fait, toute la région ressemble à un Pokémon. Ici repose l'âme d'Arcamin, le d'Arcanin, le véritable roi de l'île. D'accord. Oui, je vais le voir, je vais le voir. Oui, je sais, j'ai compris. Je vais parler au chien. Eh bien, allons de l'autre côté. Au plus proche. Pour monter, il faut que je passe par là, de toute façon. Donc, au plus proche, c'est ce fly. Est-ce que j'ai besoin de me heal? Oui. Point Pokédex. J'ai 63 tâches. Je sais pas combien j'ai de capturés de Pokémon dans la zone, par contre. Ça aurait été bon à savoir. Alors,
Alors déjà, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut que j'aille, c'est dans ce sens-là et après sur la droite. Oh, une flamme. Je l'ai pas eu cette flamme. Ah non, non, et non, je l'ai pas eu. Non, sérieusement, j'avais juste à grimper comme ça. Comment ça se fait que j'ai pas réussi à avoir la flamme tout à l'heure? Des chaglames, du bois, des cailloux, des chaglames, un chaffreux. Là il m'a vu. Il a pas l'air content de me voir hein. Il est où? Ah je le vois. De lui. Je pense pas l'avoir. Bon bah, chaque fois que je dis ça, j'attrape le Pokémon. N'importe quoi. Là, il y a lui qui m'embête. Le papillon là-bas est rarement lui. Je vais essayer de monter. Il y a de l'herbe. Allez, capture critique. Oui, non. C'est un oui. Et je n'avais pas encore, hein. Oh flûte. J'ai visé l'arbre. Ça s'est joué à rien là sur la visée quand même. C'est vraiment joué à rien. Il m'a vu? Ouais c'est bon, il m'a vu. Non je veux pas là. Ah mais c'est devant la baraque. D'accord. Devant la petite maison. On va glisser tout doucement. Voilà. Salut. Mais c'est Percupio. Que je devais voir. Je suis à la recherche de plaques, mais j'en ai des plaques. Mais toi aussi, tu les rassembles. Oui. Tu en as déjà 4. Ouais. 4 sur 12, je crois. Tu trouves les plaques en apaisant les monarques ou en obtenant de nouvelles montures. Je vois. Tu sais, cette façon de faire me rappelle l'histoire du héros d'une ancienne légende. Celui-là même qui a affronté le grand Sinnoh. C'est étrange quand on y pense. On raconte que les 10 Pokémon qui ont prêté allégeance à ce héros ont reçu leur pouvoir du grand Sinnoh lui-même. Donc il y a 10 Pokémon.
Ce serait 5 montures et 5 rois-reines à apaiser, vu qu'il y a 5 tampons et chaque tampon c'est un roi-reine. Et que c'est lié à une monture vite fait après ou avant. Pourquoi ces Pokémon ont-ils fini par affronter le grand Sinnoh aux côtés du héros? Peut-être qu'en retrouvant toutes les plaques, nous obtiendrons les réponses à nos questions. Bref, faisons de notre mieux pour les rassembler. Mais sois prudent, je n'ai pas envie de perdre l'un de mes meilleurs clients. J'ai pas acheté beaucoup de choses pour l'instant, je suis désolé en termes de meilleurs clients. Allez. Donne la visite, hein, un instant, j'arrive. Oh, je suis Graham du clan Diamant. Pourquoi il bégaye? Oh, un membre du groupe Galaxy avec une flûte céleste. Étonnant. Je dirais que c'est ça. Que me vaut ta visite? Aurais-je fait quelque chose de mal? T'as quelque chose à te reprocher, monsieur Graham? Les visites impromptues, c'est mauvais pour mon cœur. La prochaine fois, préviens-moi avant de venir. Pourquoi tu es ici? Tu veux aller sur l'île du crache-feu? Dans ce cas, il faut d'abord que Paragruel reconnaisse ta valeur. Pour cela, tu dois lui préparer son plat préféré. Ça devrait lui plaire. Mais pour le préparer, c'est un peu, comment dire, compliqué pour ne pas dire impossible. Comment ça? Alors, qu'est-ce qu'il veut? Il a toutes les ressources, mais il faut attraper un Pokémon de la nuit, mais pour moi, c'est impossible. Quoi, il a peur? Tu veux vraiment savoir? C'est un T. Un T. T-E. Terra. Terraclope. Mais j'en ai déjà un. En fait, il faut imprégner les ingrédients avec la capacité vibroscure de Terraclope. C'est le seul moyen de préparer le plat préféré de Paragruel. D'accord. Vous n'avez vraiment peur de rien dans le groupe Galaxy. Moi, je trouve ça effrayant. Les Terrachoses errent la nuit sur la rive des revenants. Ils sont faciles à repérer. Car ils n'ont qu'un seul œil. La rive des revenants, c'est près de l'endroit qui ressemble à une main sur la carte. J'avais dit que ça ressemble à une main. Cherche l'épave, c'est là que les Terrachoses se trouvent. J'ai tellement peur d'eux que j'ai mémorisé l'endroit où ils sont pour les éviter. Allez, j'en ai un. J'ai même pas besoin d'aller chercher. Oui. Il est là. Est-ce qu'il a vibroscure? Oui, il a vibroscure. La quête avance sans même que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Non, ne me le montre pas. Ok, très bien. Je vais faire ce que je peux pour t'aider à rejoindre l'île Crash-feu à dos de Paragruel. Jusqu'à présent, les caninos de Garana me venaient en aide pour la cuisine. Mais cette fois, je dois faire de mon mieux pour prouver ta valeur à Paragruel. Lorsque je te donnerai le signal, indique aux Terrachoses d'utiliser Vibrosure. D'accord. Non, j'ai trop peur. Non, sérieux. Allez, réessayons. Oui, finalement, compter, ça rend encore plus effrayant. Faisons-le en même temps. Allons-y. Un parfum envoûtant flotte dans l'air. Le plat préféré de Paragruel est prêt. C'est chelou quand même de cuire quelque chose avec une capacité vibro-obscure. Vous recevez un Aparagruel. Aparagruel, un mets apprécié de Paragruel, l'une des montures Pokémon. On le prépare selon un procédé particulier avec des ressources acquises d'une manière inhabituelle. L'arôme et l'aspect sont divins. L'appât pour Paragruel, autrement dit, l'Aparagruel est parfaitement réussi. Il ne nous reste plus qu'à trouver Paragruel. Rendons-nous à la plage Ginkgo. Est-ce qu'il m'y emmène ou est-ce que... Non, il m'y emmène pas. Demi-tour derrière. J'ai failli tomber. Hein. Mmh.
Il y a un phoque vénère avec une tignasse de Michel Polnareff. Je t'attendais. Ram. Ah, c'est Garana. Il y a les caninos, ils sont toujours là. Garana, je ne sais pas si c'est une bonne idée qu'on nous voit ensemble. Ne t'en fais pas, on peut faire confiance à vous. Par ailleurs, mes caninos et moi avons très envie de rencontrer Paragruel. Dans ce cas, je vais l'invoquer. Ah, c'est une invocation carrément. Une flûte, oui. Alors, qui es-tu? Pokémon eau, Pokémon vol. On dirait eau. Ouais, Pokémon. Mais... Pardon, mais... On dirait la tête de Ganondorf. On joue à Pokémon, pas à Zelda. Sérieusement? C'est Ganondorf, il s'est réincarné en poisson dans Pokémon, quoi. Allez, vas-y, je te donne là-bas. Donc maintenant, faut que je fasse de la flûte. Mais est-ce que ça veut dire que je vais pouvoir... Ah, il m'offre une plaque. D'accord. Mais est-ce que je vais pouvoir utiliser lui sur les autres régions pour accéder aux îles que où je ne pouvais pas? J'espère. Tu peux monter sur Paragruel pour traverser la baie Sérénité. Et ainsi atteindre l'île Crache-Feu. Tani. Nonos. Ah, raté. Je te félicite. Okay. Nonos. Ah, voilà. Garana. Je t'ai déjà raconté comment le roi s'est sacrifié pour sauver son petit caninos, tu te souviens? Mais ce que tu ne sais pas, c'est que durant cet accident, Graham et Paragruel m'ont sauvé la vie. Voilà pourquoi j'éprouve une grande admiration pour Graham et une grande affection. Seulement, je sais qu'on raconte beaucoup de choses à mon sujet. Voilà pourquoi j'évite de le voir en public, je ne voudrais pas lui causer des ennuis. Sauver Garana, c'était n'importe qui aurait fait la même chose. Certes, mais c'est ta bienveillance qui m'a convaincu de laisser le petit caninos vivre sa vie sans le forcer à devenir roi. Sans ton précieux soutien, je n'aurais jamais trouvé la force de le protéger ainsi. Mieux vaut ne pas en parler pour le moment. Non, non. Ils sont tellement mignons. Ah, qu'est-ce qui se... Oh non. Elles sortent comme ça en claquant des doigts, quoi. Ah. Oui, oui, les sœurs. Allez, c'est parti. J'en ai déjà battu une, il va falloir que je batte laquelle maintenant. Et qu'est-ce qu'elles font là? Qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent le canino. Un ectoplasma? Et là, ça va forcer le petit à s'entraîner, à devenir roi. Scénario. Bon. Mais c'est pas le bon caninos qu'elles ont pris. Bon, elles vont dans le volcan. Combat contre Ectoplasma ou pas? Non.
n'ai jamais combattu avec mon partenaire. Oui, bon, je vais m'en occuper. Oui, 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 j'y vais. Attends, nous t'accompagnons. Mais elle a un masque de plongée, je viens de capter là. Toi, tu ferais mieux de rester ici avec le petit. Bon, il y a Graham qui vient avec moi. Paragraël peut bondir hors de l'eau. Et il peut faire deux sauts d'affilée. D'accord. Je pense aussi que tu pourras toujours lancer des objets. Ça va être difficile à prendre en main, ça. Alors, lorsque vous êtes dans l'eau, appuyez sur plus ou A pour vous déplacer librement avec la monture, d'accord? Vous pouvez lancer des objets. Lors d'un saut, vous avez également plus de temps pour ajuster votre visée avec précision. Je serais curieux de voir ça. Traverser la mer. Donc là, je traverse la mer et je vais direction l'île. Sauf que il y a ça qui m'intéresse là. Et il y a... Je vais faire du tourisme. Et comment tu sautes? J'ai pas compris comment ça. Ah, c'est Y. Ouais, d'accord. Il y a plein de Pokémon partout, hein. On les voit, hein. Ça bouge dans l'eau là, c'est les Remoraid. Mon dieu. Mais là, de toute façon, il y a tous les Pokémon qui me voient en fait. Je vois pas que... La flamme! Stop! Alors, 16 flammes. Il y a lui là. Go, Lixi! Il est sur une. D'accord. Oh non. J'avais oublié qu'il était pas soigné. Pokémon vol, peut-être? Il faut faire des zéros. Il attaque. Voilà, et là, parfait. Et là, la Pokéball. Il a vraiment plus de vie. Elle est pas très jolie, la Pokéball dans l'eau. Hein. Sur la carte, il y a des îles. Vite fait sur les îles du sud, si j'y arrive. Je pense pas qu'il y ait grand chose, mais c'est juste pour voir si. Non, pas de flamme. Pas de flamme non plus. Okay. Et après. J'ai une petite, toute petite île sur ma gauche. Et après, je remonte sur une autre île. Bon, les Remoraid, je sais pas comment je vais les avoir. Ah, une flamme! Une flamme! J'essaie de pas tomber! D'accord. Voilà, ça c'est fait.
15. C'est rigolo quand même, c'est cette zone où j'ai le plus de flammes. Plouf! Et là, j'ai ici. Okay. Est-ce que j'ai le droit de faire le tour? Ah, il y a une zone là quand même. Et ici, il y a quoi? Oh! Bah tiens! Ça me fera une quête. Si j'arrive à la voir, ça me fait une quête. Voilà. J'essaie d'en avoir un autre juste pour moi. C'est quoi ce qu'il y a dans l'eau là? D'accord. Il y en a un autre sans coquille. Il y a 5 coquilles partout. Il y a des gros oiseaux. Faut les attraper. Qui c'est qui m'a aggro? Ah bah ce sont les oiseaux justement, on se casse. C'est la porte au sud. Ouais. Y a pas de flamme. Hein. Non, il y a pas de flamme. Plus jamais. Et une limite. On va voir, tiens. Curieux. Ouais, il y a une limite. Un Léviator. Il m'a vu. C'est pas un Léviator, ce sont des Léviators. Comment je peux... Alors lui c'est un baron, génial, je comprends. Comment est-ce que je peux les attraper? Allez, l'arrêt c'est bon. Il veut pas. Ils ne veulent pas. Je sais pas comment la viser dans l'eau, c'est hyper difficile. Gaspille toutes les Pokéballs. J'y arrive pas. Je galère. C'est affreux. Je crois que je l'ai fait bugger. Ah ou pas. Ça essaye. Le Léviator, enfin les Léviator. Ah, tentative du Léviator. Mais... Et ils me suivent, hein. Il y en a un qui a arrêté de me suivre. L'autre aussi. Ouais. Je sais pas du tout comment m'en approcher sans qu'il me voit. Raté, j'ai visé à côté. J'ai complètement visé à côté. On a quoi là? Du coup, il pique. Là, on a quoi?
Un tentacool, d'accord. Que j'ai raté au passage. On retente le Léviator. Ils ont disparu. Il reste que le baron. C'est baron lui, on est d'accord. Non, le baron il est là-bas. Tentative du Léviator. Je sais pas comment la voir. Il est où? Je vais essayer de faire un truc. On va voir. Je suis pas confiant. Mais... Deux fois? C'est dégueulasse. J'ai plus grand monde de dispo là. J'ai peur de faire trop de dégâts. Donc, la masse ball. Allez, s'il te plaît, j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup avoir un Léviathan. Pas très efficace, mais en deux attaques, il met mi-vie quand même. Bon, maintenant, faut en battre. J'ai eu un Léviator, mais maintenant, il faut battre un Léviator. Il y en a un là-bas. Un Léviator? Non, c'est un coup de pied. Attendez, il est où Baron Léviator? C'est lui? Non, c'est pas. Il est plus gros lui. Ah, ça a pas pu. Il va mettre KO mon mystère. Ah oui. J'ai attrapé le Quillfish hein, tout à l'heure ou je l'ai battu, je sais plus. Quillfish, je l'ai attrapé, je l'ai pas battu. Léviator, il a attrapé. Spécimen a attrapé en plein vol, pardon. Un démenta, le tentacool il est complètement passé à côté. Et Quillfish, je l'ai attrapé, je l'ai pas battu. Petit point, il va falloir raise et pour vol. Il faut raise Luxio, il faut soigner tout le monde. Non, c'est ça, 100 PV. 100 PV pour Mustiflotte. 74. Alors on va mettre ça ici, on va mettre ça ici, voilà, tout le monde est content. Et là, Luxio, à l'attaque. Radical. C'est pas suffisant. Pardon.
Le farming dans l'eau, ça va être très très difficile. Pas méga fan. Là, il y a un cultif. Il y avait un tentacool. Pas très loin. Il est là. Tant pis. Il est niveau 28. Bon, j'ai eu le tentacool. Pas de flamme. Qui c'est qui m'a gros? Un tentacool. Mais il m'a vu. Wow! Il y a d'autres tentacools. Il y a une île là. C'est laquelle sur la carte? Mais. Elle a bougé. Il n'y a même pas de flamme sur cette île. On va aller sur cette île là-bas. Ah, il y a des tentacules. Trop tard. Allez lui... Niveau 33. Il va falloir illustrer urgentement. Il y a un bébé. Oh mais non, mais c'est un baron. C'est pas un bébé. C'est oui, non, c'est juste qu'à côté il y a un baron. Ah bah une flamme tiens. Allez, le petit île. Voilà. J'attends que l'aggro se calme. Je sais même pas qui m'a aggro en vrai. Faire le tour de cette île ici, si je peux, pas sûr. Ah peut-être. Il y a des trésors. Doivent servir à quelque chose. Je peux les casser. Bien sûr que je peux les casser. Mais ça veut dire que les caisses. Voilà. Les caisses sur la plage, j'y ai pas pensé. Une solution furtive. Une bombe aveuglante. Et mes sacs sont pleins. Qu'est-ce que je vide Je sais pas. Je vais laisser ça comme ça. Ah, une flamme. Alors, je vais refaire le grand tour comme ça, là, il y a plein de petites îles, on va voir s'il y a quelque chose. Je vais faire un tour là, les petites îles, les grandes îles, ouais, je sais pas, on va voir. C'est quoi ces Pokémon dans l'eau, là? Je vois pas du tout. C'est des Léviators? Faut pomper, messieurs. Non, c'est pas des Léviators. Bon. Alors, sur la carte, je suis en haut, donc j'ai juste à aller de ce côté-là. Thank you.
n'est pas trivial. Et une flamme. Là, il n'y a pas de flamme. Et il m'a vu. Allez, go. J'ai vu une flamme par contre. 44! Hop! Oh. C'est mal. Il a pas envie, hein. On va y aller à la masse ball. Ça, c'est pas une bon signe. D'accord. C'est violent, hein. Bon, alors le rez pour tout le monde. Et Tourval. Luxio. La petite potion. Voilà. C'est pas une flamme que j'ai vue, c'était un tenta. Un tentacuel. Elle est là, on est d'accord. Juste faire cette petite pile. Il n'y a pas de flamme. Alors visitons ce côté de la map. On va y aller en traçant par contre. On va leur passer. Des cornèbres, ok. Lac, Castorno, cornèbres. Un petit plouf? Oh punaise. Il m'a vu. Il a disparu. Oh, je suis dégoûté. C'est quoi ça là-bas? Ah, c'est... Oui, ils sont vénéreux. Généralement, ceux-là... mange. Ah, il s'est barré.
passe devant. Bon. Je vais continuer par la vitre, juste voir. On est d'accord, je fais un tour là. C'est juste que je fais le tour du lac. Pas de flamme. J'ai pas l'impression qu'on est non. Pardon. Comment j'accède au lac? Essayer d'escalader mais ça va pas m'aider je pense. Non je pense que c'est autre chose. Ça doit pas être par là. Ou alors faut là vraiment une monture supplémentaire, la monture de vol. J'ai un peu du mal à voir comment ça peut être possible. Ah pop pop pop. Ah non, c'est du bois. Je croyais que c'était un colis. Y'a pas de colis là? Non. Je vois pas du tout comment monter. Donc demi-tour. On va retourner dans l'eau. Il est vénère lui aussi. Il y a deux barons? Non, c'est pas un baron. Ok, il morce. C'est pas un cahier mort ça. C'est un fougleur. Il a pas vu hein. Allez, mets le KO. Ouais. Une flamme. Sur la carte, la grotte elle est plus sur ma gauche. Il y a deux petites îles là. Les îles centrales là, je les ai pas encore faites. La grotte elle est là. Pourquoi c'est pas grave ? You
pense que c'est ici qu'il va falloir calmer le Pokémon, Pokémon vénère. Il n'y a pas grand chose à voir quand même. Alors, on revient sur nos pas. Je pense pas qu'il y ait de flamme ici, donc ce que je vais faire, c'est ces trois îles, et après j'irai faire ça mal. Oh! Je l'ai vu. Alors, des tritosaures, pardon. Par contre. Ah, mais c'est un baron! Ah, dommage. J'avais pas capté que c'était un baron. Et là, il n'y a pas de flamme. Non. Pas de flamme ici. Hein. Bon. Eh bien, je remonte. Au nord-ouest. Quoi? Tritosaure là. Toi t'es baron toi. Oh oui t'es baron. Salut. On se casse. Il ne reste plus que cette île ici. Bon, on va passer par la droite. Arène de la lave. Il y a un bateau. Allez, un peu de l'or. Il va y avoir le combat. Ah, oh, j'aurais dû régène. Voilà l'île Crash Feu. Pfiou, il fait drôlement chaud. Je suis en sueur. C'est peut-être parce que je sais. Il y a des voleuses et des fantômes. Désolé, Jake, mais est-ce que tu voudrais passer devant? Mais oui, t'inquiète, je t'en serais très reconnaissant. Pauvre Caninos, j'espère qu'il va bien. Mais oui, on va y aller. Est-ce que je peux nager dans la lave? Je pense pas, on va éviter. Qu'est-ce que c'est? Un petit magma. Magby. Faut que je fasse tout le tour. Ah oui, pas que... Ça passe à travers, bien sûr. Allez, on se calme. C'est dans la lave. Il est dans la lave. Musséflotte est dans la lave. D'accord. Oh punaise, je les aime pas. Ceux-là.
j'arrive ici. D'accord. C'est un temple là. J'aurais pu passer de l'autre côté. Vu que tout, comment tout le monde est positionné. Allez. Alors, vas-tu évoluer, oui ou non? On a fait des recherches, je te ferai dire. On sait que les Pokémon qui ont le courage de venir ici évoluent. Allez, en plus, tu deviendras plus fort. La Nini. Encore toi, décidément, les importuns ont la vie dure. Je vais me charger de lui. Bizarroi, à toi. Bizarroi glace. Qu'on va les revoir, hein, les sœurs. Oh punaise. J'ai pas mis le puissant. Ah, il a un skill. Ça fait mal ça. Merci Fury pour ta skill. La troisième sœur va vouloir se manifester, ça c'est une question. Ah, il a bien monté un niveau Tortipousse, hein, de 16 à 35. Hein. Il est plus là. Toute la rage que j'ai accumulée depuis mon arrivée de Kanto, tu vas en faire les frais. Elle est de Kanto. De plasma. Ah, il y a deux Pokémon. Rhinophéros. Ça va se faire mauvais pour mon Ferrisson. Mal avec les Pokémon sol, mais j'ai du mal. Au revoir, 4
Dino Féroce. Là, par contre, je vais galérer. Surtout pour ça. Bon, alors, le Rez. J'ai pas un rappel. Non, mais non, mon rappel max, là, il est parti en l'air. Il se flotte. On envoie Feriton. Peut-être une bêtise là. Oh bien. Nickel. Nickel. Par contre, il va falloir qu'on me heal. Hein. Mais oui, vous avez été tous les trois vaincus. Non. La heal, Blizzard et Quatox. Sérieusement? Ah, il a pris confiance en lui. Ah mais c'est le petit. C'est le petit. Il s'est jeté à l'eau, il a nagé jusqu'à l'île. Ah bon? Il a traversé les flots, alors qu'il en avait si peur depuis la mort de son père. Non. Arc, j'en étais sûr. Non. Et voilà, l'esprit du Arcanin. Ah, oh, il est beau aussi. Il a réussi à prouver son courage. Le petit du précédent roi, il a finalement évolué. Il est brave, non pas pour avoir traversé la mer, mais pour avoir fait face à toutes les difficultés. C'est quoi cette histoire? Pourquoi c'est lui qui a évolué? Dites les filles, je crois qu'il y a un petit truc qui cloche. Oh oh. La foudre. Et là, il va pas être content. Il est goldé. On dirait un Bowser goldé dans Super Mario 3D Bowser Fury. Qu'est-ce que... Garana, attention! Garana! Que se passe-t-il? Il a été frappé par un étrange éclair, il est devenu enragé, comme les autres monarques. Je savais que c'était une mauvaise idée de venir ici. Malédiction, tout s'est passé pour le mieux jusqu'à ce que ce Minus vienne tout gâcher. Partons les filles, ou je ne donne pas cher dans notre peau, mais on aura notre revanche. Oui, mais c'est bon. Garana, nous aussi nous devons partir, Arcana risque de nous attaquer. Non, moi je vais rester. Ah bon? Ah, il va trouver, il faut lui donner sa nourriture, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire pour Carninos, je veux dire Arcanin, t'es déjà au courant? En tant que gardienne, je suis responsable de lui, je dois lui protéger quoi qu'il en coûte. Il n'y a plus qu'un seul moyen de l'apaiser, sa nourriture préférée. Voilà. Est-ce que t'as oublié, comme je suis la chef du camp Perle, j'en suis un peu plus que toi. Oui. Je n'ai rien dit la première fois, mais s'il te plaît, arrête de m'appeler Garni devant tout le monde. Et oui, je sais que t'es la chef. Je
été choisie car tu es la seule à pouvoir appeler les Pokémon avec la flûte céleste pour qu'ils te transportent où tu veux à Issus. Et je sais même comment apaiser les monarques enragés. Ce qu'il faut, c'est utiliser leurs aliments préférés et grâce à une technologie particulière fabriquer ce qu'on appelle des boules pacifiantes. Pas vrai, Drake? Eh bien, si vous avez besoin de ces aliments préférés, les ai sur moi. Je lui donne la récompense quand il m'aide à cuire la nourriture de Paragruel. Ram, t'es vraiment le meilleur. Prépareront vite ces boules pacifiantes. Très bien, je m'en occupe. Et voilà, de belles boules pacifiantes. Viens me voir quand tu seras prêt à apaiser Arcana. Mais est-ce que je peux être heal? Il n'y a personne qui me heal, sérieusement. Point sur la map. Est-ce que j'ai un fly? Je crois que oui. Donc, on va se heal. Voilà. Je vais faire un petit vide dans les sacs, on sait jamais. Ah, j'ai une pierre foudre, j'avais même pas fait gaffe. Ou alors si, mais ça m'était sorti de la tête. Il y a encore tout ça. Voilà. Allez, on repart sur la carte. On va se re-TP. Et j'ai pas fait le tour d'en bas avec le poisson fourrier. Bonjour. Oui, c'est bon, je suis prêt. Arcana a beau être devenu roi, il est enragé et il souffre. Oui, je vais l'apaiser. Si tu le vois se figer et canaliser la lumière, c'est qu'il se prépare à lancer une grosse attaque. L'ancien roi avait l'habitude de faire ça. Dans ce cas-là, mieux vaut esquiver. D'accord. Il est beau aussi comme ça, je trouve. Bon, il a les yeux pas contents. Mais... Le roi de l'île, Arcana. Plutôt, s'il vous plaît, que je tienne. Y, c'est esquivé. J'aime pas les écrans noirs. Ah! Bah, s'il va tout le temps tout droit, en vrai. Oh! Par contre, c'est de plus en plus difficile. Aïe. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je brûle? Ah, il est beau quand il bug comme ça, lui. Quand Arcana se met à accumuler l'énergie... Aïe, je peux pas esquiver ça, d'accord. D'accord. Je conserve la jauge. Donc là, je suis à la moitié.
en pleine face. Sors de là. Ah mais... Qu'est-ce que... Comment voulez-vous que je passe à travers ça là? Ouais. Punaise! C'est hyper chaud! Bon, en même temps on est dans un volcan. J'y étais presque pour la phase d'après. Mais je me suis bloqué, je comprends pas trop comment faire. Ok. Dernière phase. Alors là par contre... pardon hein mais... J'ai fait une phase en plus, c'est pas mal. Vite. Non, je suis hors jeu. Non, c'est bon, ça passe. Oh, j'ai eu peur. Regardez, l'étrange lumière a quitté Arcana. Elle a disparu dans la faille spatio-temporelle. Arcana vous offre la plaque flamme. La plaque feu.
Je me demande ce qui se trouve de l'autre côté de la faille. Cana. Tiens, j'ai cru entendre le cri des deux arcanins. Il est là-haut. Il est plus là-haut. Je vois, je comprends mieux maintenant. Caninos, que dis-je ? Arcanin, te voilà roi de l'île. Toi et moi avons chacun notre rôle à jouer désormais. Nous devons nous séparer. Canin. Tout se passera bien, tu es très fort, beaucoup plus que je ne le suis. Cana. Faisons de notre mieux pour remplir nos devoirs de roi et de gardienne, d'accord? Va, à présent, mon roi. Cana. J'ai l'impression d'avoir entendu le cri de l'ancien roi, j'ai rêvé. Alors ça, c'est étrange. Moi, je n'ai rien entendu. Peut-être que c'était un fantôme. Bien sûr. Je t'en prie, dis-moi que c'est une plaisanterie. Il n'en faut déjà pas beaucoup pour me faire peur. Il manquerait plus que je me mette à entendre des voix d'outre-tombe. Rassure-toi, Graham, je plaisantais. Excuse-moi d'avoir fait peur. En fait, je l'ai clairement entendu, moi aussi. J'imagine que pendant tout ce temps, l'ancien roi veillait également sur Caninos. Dis-je, je te remercie du fond du cœur d'avoir apaisé mon petit protégé devenu roi. Et je ne voudrais pas trop t'en demander, mais veille aussi sur Natacha, s'il te plaît, d'accord? Oui, parce que je ne sais pas dire autrement. Bien, allons-y. J'ai pas fait grand-chose, finalement, à part regarder. Ah bah oui, t'as bien le popcorn. Dans le clan Perle, tout le monde disait que Garni n'était pas digne d'être gardienne. Elle était incapable de faire de Caninos un roi. Alors je suis allé la voir pour lui suggérer de lui faire suivre un entraînement spécial. Quand je lui ai dit ça, elle s'est tout de suite mise en colère. Elle m'a demandé quel genre de gardienne forcerait Caninos à suivre un entraînement aussi exigeant, alors qu'il était encore sous le choc d'avoir vu son père mourir devant lui. Je dois dire qu'elle n'avait pas tort. Et pour couronner le tout, j'ai rien pu faire pour aider Arcanin quand il s'est enragé. C'est gentil de me complimenter pour un peu. Mais j'ai failli arriver trop tard et à part fabriquer les boules, j'ai pas fait grand chose. Je suis devenu chef sans trop savoir quelle direction donner au clan. C'est pour ça que j'ai tout d'abord voulu préserver nos coutumes et nos terres, même si certains trouvaient ça un peu vieux. Mais en te voyant, j'ai compris que c'est avant tout ici que je veux protéger. Jay, tu veux bien te battre de nouveau contre... Oh punaise, non, s'il te plaît. Ah, pas de suite. Bon, ça va. Où devons-nous aller? Non, j'ai une mission. On se casse pas, non. Il y a une mission. Il y a des missions. Il y a des missions. Est-ce que j'ai besoin de me heal? Non, c'est bon. Par contre, on va... Normalement, je fais par phase. Mais là, on va s'arrêter là. Parce que l'heure tourne et je suis quand même fatigué. Donc on reprendra exactement ici. Et pour cela, je vais sauvegarder de suite. Voilà. Tant pis, il n'y aura pas trop de musique et il y a des missions secondaires. Donc la prochaine fois, on finit les missions secondaires de cette zone. On va à la ville. Parce que je suppose qu'il y a des choses à la ville. Il n'y a pas de mission secondaire au marais, tant mieux. Il y a une mission secondaire à la plaine, donc il va falloir faire un tour à la plaine. On ira chercher les colis au passage. Et on peut aller dans l'eau, hein, de toute façon. Donc on va aller se balader un petit peu. Je pense que la prochaine fois, on ira vraiment à la plaine, en fait. On fait les missions secondaires. Vas-y, une minute. Les trois lacs. Le lac Vérité, il est là. Donc en gros, l'ancien bon augure, c'est par là. Il y a beaucoup de géographie qui a changé en fait par rapport à la version Diamant Perle. Le lac Courage. Et le chemin de la source. Mais là on n'y fait pas accès encore. Et enfin,
il y a des missions secondaires dans le village. Voilà. J'ai sauvegardé. Voilà le programme pour la prochaine fois. Je vous laisse là. À très vite. Suivez les réseaux, Yves Assange, vous savez. Je vais me poser un peu. Twitch, bah, la nuit prochaine. Sur Pokémon Legends Arceus. Cordialement. Et Robert, il va dire bisous dans le chat. Allez, prenez soin de vous. Cordialement bisous.